Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un plat super simple, le poulet basquez à ma façon. Alors pour ça, il nous faudra des pilons de poulet, 2 carottes, 4 gousses d'ail, 2 oignons, un bouquet garni, 3 poivrons, une demi-boîte de pulpe de tomate, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et on peut commencer la recette. Alors pour commencer, on va couper nos oignons. Donc on les émince. Pas trop fin, comme ceci. On écrase notre ail. Alors, simple, hein, comme ça. Hop là. On peut leur donner un petit coup de couteau. Tout simple. C'est assez grossier, comme ça. Voilà. Et on va en profiter, on va couper nos carottes. Je crois que notre oignon est en train de revenir tout doucement dans la casserole. Voilà une astuce. En fait, je ne veux pas cuire mon poulet, mon pilon de poulet, avec la peau. Donc, je casse mon os et je l'épluche. Comme ceci. Et je fais la même chose sur tous les autres. Et on continue. Nos oignons et nos carottes ont suffisamment été revenus. Maintenant, on va y mettre nos pilons de poulet. On y rajoute notre ail. Et on laisse revenir quelques minutes. Pendant que notre poulet est en train de revenir, on va préparer nos poivrons. Alors, super simple. Bon, là, je les ai vidés et nettoyés, évidemment. Coupés en carré comme ceci. On va bien saler et poivrer. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors on peut rajouter un petit cube de bouillon de volaille, faire un tout petit bouillon, environ un verre. Ça va déglacer bien le fond pour récupérer les sucres. Oui, comme ceci. Et on gratte bien le fond pour récupérer nos sucres. Regardez comme ça change de couleur. Évidemment, ça sent déjà super bon. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos poivrons. Et on laisse cuire 5 minutes comme ça, à découvert. Voilà, nos 5 minutes sont passées. Maintenant, on nous met notre demi-boîte de tomates en pulpe.
On va laisser cuire donc 25 minutes à couvert, mais juste le couvercle posé. Hein. Je mets mon bouquet garni au fond. Voilà, comme ceci. Et je couvre. Allez, on va contrôler. Là, les 25 minutes sont passées. Et je vais contrôler les poivrons. Ça manque de cuisson. Il faut rajouter 10 petites minutes. Allez, c'est parfait. C'est bien cuit. Maintenant, on dresse. Et voilà, notre assiette est dressée. Ça sent super bon. Et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit.